Le festival, c'est avant tout un voyage, c'est un voyage à travers une multitude de répertoires musicaux, puisqu'on va des musiques classiques jusqu'aux musiques actuelles, et en passant par les musiques traditionnelles et les musiques du monde. Et puis c'est un voyage géographique, puisqu'on est sur 27 lieux répartis sur les 8 départements franciliens, et on essaye à chaque fois qu'il y ait adéquation entre le répertoire présenté et le lieu dans lequel se déroule le concert. L'idée de ce concert, c'était vraiment de faire dialoguer à la fois les deux côtés du front lors de la reconquête de Grenade, à la fois le côté arabe et le côté espagnol et chrétien. Ce qui est intéressant dans le programme de ce soir, c'est qu'on voit que par-delà les combats, que par-delà les confrontations entre les deux camps, la musique est assez poreuse et que finalement elle s'est influencée l'une et l'autre et qu'on retrouve des traces aujourd'hui en Syrie de ce répertoire arabo-andalou qui a beaucoup voyagé. Donc c'est aussi un message d'espoir qui est là dans ce répertoire. Ce lieu, le musée de Cluny, et surtout le frigidarium dans lequel on va installer le concert, porte tout à fait l'âme du concert, qui est l'âme andalouse. Et on trouvait que l'architecture même du lieu reflétait un peu le caractère mauresque, peut-être, du concert qui va être présenté. Bueno, pues Romances es un programa nuevo del grupo de Academia del Piacere que ya llevamos muchísimo tiempo pensando en hacer y básicamente se centra en esas fronteras que hubieron entre el reino árabe, el resto de lo que fue Al-Ándalus y el reino cristiano creciente que iba comiéndole terreno a los moros, digamos, a final del siglo XV, principio del siglo XV, ¿no? Entonces, básicamente, el objetivo era como encontrar un poco los lazos de unión, ¿no? De los encuentros entre los textos que hacían tanto por la parte de los cristianos como de los árabes en referencia
al otro sitio, al otro lugar de la frontera, ¿no? En la tradición cristiana hay muchísimos romances que hablan de moros, que hablan de batallas, que hablan de amores imposibles entre moras y cristianos o cristianas y moros. Sobre la poesía y sobre el amor, el encuentro entre las culturas, la belleza. No nos olvidemos que Al-Ándalus, al fin y al cabo, era casi un... podemos decir que era como el resto de una gran civilización que había perdido de alguna manera un poco esa fuerza militar y que se centraba mucho en lo que era la poesía, la música, el bien vivir, ¿no? Era de alguna manera un poco el paraíso de lo que era el imperio árabe, ¿no? Esas fronteras que de alguna manera estaban obligadas por lo que era la política, evidentemente, y por lo que era el poder, justamente en la cultura, justamente en la música, en nuestro caso, en la poesía, pues eso totalmente se diluye, se difumina. El cristiano, el artista cristiano, aprecia mucho el arte árabe, ¿no? Y el artista árabe aprecia mucho también al artista cristiano, ¿no? Entonces es curioso que, por ejemplo, muchos de los romances en los que cantan la toma de Granada, se ve como que realmente, aunque se está orgulloso de volver a tomar Granada y se canta un poco la penuria del rey moro, al final siempre hay un punto de tristeza, ¿no? Y bueno, yo creo que es una combinación bastante, bastante curiosa, ¿no? Que nosotros que siempre trabajamos desde el punto de vista cristiano, de alguna manera, ¿no? Cuando nos encontramos con esa combinación de instrumentos y cuando hacemos música cristiana o música árabe de verdad, ¿sabes? Te das cuenta que al fin y al cabo los instrumentos son capaces, de alguna manera, de cantar o de expresar tanto en un idioma como en otro, ¿no? Para mí, yo que tengo origen sirio y palestino, y justamente ahora que con toda la guerra y con todo lo que está pasando, me parece muy curioso que estemos justamente ahora inaugurando, estrenando un programa que esté hablando justamente de estas fronteras que no existen y ver la desgracia de alguna manera de lo que ha sido mi país, ¿no? O sea, que todo, que en vez de liberar fronteras, se están haciendo fronteras nuevas, ¿no? Mais le public, je crois qu'il vient au festival pour cette idée de découverte, pour cette idée de création, et que tout notre travail pour nous, c'est de présenter les artistes dans des lieux qui leur soient favorables et de trouver les bonnes conditions pour que l'artiste rencontre son public. Alors ça se fait par le lieu, puis ça se fait aussi par toutes les actions qu'on mène autour des concerts, les conférences, les tables rondes, les visites, etc., qui donnent aussi des clés de compréhension d'un répertoire ou d'un programme qui va être donné. Et finalement, je crois que le public, il vient aussi pour trouver des
filiations musicales. C'est-à-dire que finalement, ce vaste panel de répertoires présentés permet à la fois de raconter une histoire et puis aussi de faire des choses en regard et de trouver des filiations et des liens entre tous ces répertoires présentés. La philosophie aussi du festival, c'est de dire qu'on peut apprécier une musique quand bien même on n'en a pas forcément toutes les clés, quand bien même on n'en a pas toute la culture, mais moi je me bats en tout cas pour dire qu'on peut avoir un plaisir immédiat de l'écoute. D'une manière générale, c'est un message fort à faire passer à toutes les personnes qui ne sont pas habituées au répertoire auquel ils vont assister, que ce soit les musiques classiques, que ce soit les musiques du monde ou que ce soit même les musiques actuelles.